Mais une chute, ouais, genre, quand je fais une chute, je fais une chute.
ne t'attendais pas à vivre, faire ou faire cette chose. Alors tu es surpris de vivre ceci. Détective, page 116, puis deuxième paragraphe. Ça, oui, tu devrais écouter, parce que tantôt, tu ne savais même pas ça veut dire quoi, détective. Non, je sais c'est quoi. Un détective veut dire quelqu'un qui interroge, recherche, fait des pistes sur des enquêtes. Oui, des grosses enquêtes. Je comprends pas. Ouais, je sais pas si c'est le mot. Mettre des mots, mettre des liens. Maître des liens. La partie du livre. Les fées perdent la mémoire et la reprend. Il fait penser à un livre qui parle d'une aventure où deux garçons perdent la mémoire. Parce que dans les deux cas, les garçons trouvent la mémoire par de la magie, mais dans le livre, vu que la vieille madame et la grand-mère de Rosie. La vieille madame. La vieille madame, la grand-mère de Rosie, c'est une personne. Oh, oui, non, mais c'est le gros, je comprends rien. Je pense que le temps, c'est la même personne. Je crois qu'il y a même pas la même personne. Parce que la vieille dame et la grand-mère de Rosie, c'est pas la même personne. Mais oui, c'est la même personne. Ok. Oui. Mais pourquoi tu dis la grand-mère de Rosie? Parce que je savais pas quoi. La vieille dame. De Rosie, ben Rosie, elle peut pas être écrite. Ok, bon, ben, t'en as trois autres à deux autres à dire. J'en ai pas fait deux autres. La partie où les fées ont des GPS dans leur dos, ben, dans leur vêtement, je sais pas. Dans leur dos, mais le GPS marche plus. Ça me fait penser quand ma mère conduisait une voiture avec le GPS de son téléphone, mais après le téléphone n'avait plus de batterie. Moi, j'ai une très bonne vêtement, ok? C'est pas qu'ils marchaient plus, c'est à cause que les filles ils ont enlevé leurs vêtements, ils ont mis des vêtements de gars, parce que là, ils ont mis leurs GPS dans les toilettes. Non, mais moi, la première fois, à cause de l'eau, ça avait fait de. Moi, une première fois, ça, c'est dans le chapitre 06. Quand même, j'ai toujours. Car dans les deux cas, il y avait un GPS. Je sais. Ok, j'ai passé au 3. La partie où la clé. Vous ne voulez pas s'enlever de la main de Rosie. Ouais, ça me fait penser à quand je colle une clan gommette avec une gommette. Ça me rappelle d'un film qu'il faut qu'un garçon tue des monstres avec une potion, mais quand il essaye de dormir, la potion reste sur sa main. Ouais. Alors, les deux cas. C'est quoi le petit coup de la film? Good job, Marie. Bon, là, c'est à Mathieu. Non, attends, le premier n'est pas humain, hein. Ça dit les garçons, les garçons. Ok, l'ange, c'est pas une ange, là. Ça, là.
C'est une statue. C'est une statue. Voici le projet de Marie. Le projet. Le dessin. Mais c'est quoi la grosse personne comme tu dis? Ouais, la grosse personne. C'est, non, ça c'est un mec pas rapport là, qui est pour l'air son mari. En plus, il a une tête, une main dans la tête. Ça, non, mais ça, non. Ça c'est la main de Oscar. Le bras d'Oscar. Il a dit qu'il y a du poids, il a pas dit qu'il y a des griffes et c'est un chat. Mais on dirait que c'est dans sa tête. Oui, on dirait que dans sa tête, c'est mangé de la fille. Il dit, hey, il n'y a pas de fille. Il dit, ha 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 ha. C'est la vieille dame. Il a juste expliqué parce que c'est la vieille dame. Ah oui, oui, vu que ses yeux sont comme ça. Parce que c'est quand il fait son début du livre. Ça, c'est quand il fait son début du livre. Quand il sort. Ouais, quand il sort. Ok. La statue de l'ange. Pourquoi il est bien? Ben parce que là, il dit. Mathis, il sait pas quoi. Mathis savait pas comment quoi dessiner. Fait que je fais un dessin et plein d'éléments. C'est supposé d'être marquant, là. Il y a ça. Doute, là. Il y a